En 2012, l'État haïtien investit 13 780 000 dollars américains dans un projet bidon qui c'est BAM Lumière. Ben, après 7 ans, côté lampadaire, yo. Gaspille. Après 7 ans, quel système de maintenance qui t'a gagné pour te garantir que le projet a duré? Est-ce que comme ça, pas de cas investir dans EDH? Non, non. Est-ce que pas de cas investir dans EDH? Non, pas d'accord. Non, pas d'accord. Investir dans EDH. Et pas dans le soleil, m'a pas venu. Et de l'économie, m'a pas venu. Oh, EDH. M'a vendre quand même, m'a vendre. Alors, vidéo, ça me fait la partie d'un article que je lis sur Ivo Boss. Je regarde l'article là. Côté que y a parlé de combien l'argent qui gaspille dans installer l'AD qui n'est pas utile. Alors, comme technicien, obligé à faire des recherches pour regarder les prix matériels. Et pour montrer nous que si l'État investit dans une centrale solaire, l'État plus avantageux pour lui. Alors, pas oublier, abonnez-vous à votre chaîne là, like chaque vidéo, commentez, partagez. C'est Clay Tech Pro, électrotechnicien. Une fois une notion de puissance pour nous commencer. Puissance, en plus, on a obtenu par nous de watt, kilowatt, mégawatt. Qui s'allie, c'est puissance sur appareil gagné pour lui consommer ou bien pour lui produire courant. On nous dit que nous gagnons une ampoule 100 watts, et bien lui consommer 100 watts courant. On nous dit que nous gagnons une génératrice 3000 watts, et bien on gagne 3000 watts, lui produit 3000 watts courant. Alors, ça, c'est une notion de puissance. 1000 watts égale avec 1 kilowatt, et 1000 kilowatts égale avec 1 mégawatt. Par exemple, si mon génératrice 3 kilowatts, combien pour 100 watts que je peux plugger sous lui? Eh bien, on peut plugger 30 ampoules 100 watts sous lui. Ou pas qu'à mettre plus. Mais si je peux mettre pour énergie sévère, ampoule 9 watts, je peux mettre jusqu'à 333 ampoules énergie sévère sous lui. Ça, c'est une notion de puissance. On nous fait calcul avec. Lorsque je suis sur le canadien solaire, je vais chercher un panneau solaire de qualité. Le panneau solaire 305 watts, monocristallin, qui a une surface de 1,62 m2, 24 volts, lui vend 155 dollars américains. Alors, comme l'État a installé 8000 lamps à l'air, nous-mêmes, nous allons faire le double NAP, faire calculer à partir de 16000 panneaux solaires. Alors, comme chaque panneau solaire c'est 305 watts que et eh bien lorsque nous prenons 16000 panneaux solaires nous multiplions par 305 watts là bas nous avons une capacité de 4 880 000 watts crête qui est égal avec 4,88 mégawatts crête. Ça c'est si que tu es ici dans une centrale solaire. Nous avons gagné 4,88 MW crête de capacité de centrale solaire. Mais qu'on y a là, lorsque nous prenons 16000 panneaux solaires, nous multiplions par 155 dollars américains, il égale avec 2,480,000 dollars américains. Et lorsque nous prenons surface panneau solaire qui égale avec 1,62 m2, nous multiplions par 16000 panneaux solaires total, qui équivaut avec 25,920 m2. Ça c'est quantité de l'argent et plutôt surface totale panneau solaire que tu prends pour installer. Nous allons aller en Europe pour nous prendre un châssis. Châssis, c'est pied qui veut mettre que panneau solaire dans la chita. Pied qui table qui veut mettre panneau solaire dans la chita. Mais l'engagement pour un châssis, il vend 95 dollars américains. Comme nous avons 16000 panneaux solaires, nous avons besoin de 16000 châssis. Et bien, 16000 châssis multiplié par 95 dollars américains, l'égal avec 1 520 000 dollars américains. 1 520 000 dollars américains. Kounye a en langade yon pri yon inverter. Sou SMA, ki se yon fabrikant, yon sistem de 4,8 MW. Ok, yon dire de 4,8 MW. Li vann li 439,600 dollars américains. 439,600 dollars américains. La balien dans yon conteneur, conteneur a gito. Total 88 inverteurs. Chaque inverteur a une capacité de 60 kW. Il y a couplé ensemble, la capacité totale là a venu 4,8 MW. Ça c'est pour onduleur là.
faut nous pas oublier que centrale là sont centrales photovoltaïques. Mais par contre, le matin, la bien courant, mais le soir pas ka gen courant. Alors, m'te dit comme ça que ben mal prend pris yon groupe électrogène qui a permet que même le soir a toujours ka gen courant. Alors, monte sur site là mal prend pris. Mais crie directement et yo te répond moi. Et yo écrit directement, n'a pas là, yo écrit yo dis si besoin plus de détails de Jean Tesla, mon ca toujours relé yo, yo bon mon numéro pour me relé. Mais ce jour-là, m'ta tande des nouvelles, m'te wè que président a acheté que 8 génératrices pour 2 300 000 dollars américains. Bien, m'ba relé encore. Alors si que yo ca acheté la prise à Haïti, ben que nous continuer. Eh bien, moi considérer que coupe électrogène ça que yo fait installer yo qui égal avec 9 mégawatts là à 2 300 000 dollars et si nous t'ai acheté pour mettre dans centrale solaire là tout. Mais me considérer alors c'est 2 300 000 dollars américains pour un système thermique de 9 mégawatts. Bon, là nous regarde prix 3 transformateurs élévateurs total capacité à c'est 12 mégawatts, chaque là à 4 mégawatts, prix à c'est 240 000 dollars américains. Prix à c'est 240 000 dollars américains. Nous considérer et calculer ça, nous regarder pour nous, nous avons un groupe électrogène qui a 9 mégawatts de capacité et nous avons un petit panneau solaire là qui a gagné 4.8 mégawatts de capacité. Ça fait total 13.8 mégawatts installés pour seulement 6 979 000 dollars américains. Reste que tu as prêté à 1 million hein? Et tu as prêt pour acheter le matériel qui est nécessaire, acheter le câble, acheter l'autre bagage qui est nécessaire pour travailler la fête. Ok? Bon, mais malheureusement, les gars, ce n'est pas d'air. N'a conclu, n'a ouais. Il a fait propre recherche par nous à partir de calculs ça nous a fait propre calcul par nous pour nous voir est-ce que si l'état est faisable solaire hybride il va être plus bon parce que nous avons 6 heures dans la journée qui t'a gain courant sans nous pas utiliser gaz. En tous les cas haïtien, faut que nous payer courant tout, faut que nous payer courant tout pour que nous jouions de service et puis tout faut qu'on connaisse qui nous a choisi tout. Pas un politicien font travail un ingénieur, pas un politicien fait travail un technicien. Non, il faut laisser la technique aux techniciens, pas aux politiciens. Pas oublier abonner à la chaîne là, like chaque vidéo, commenter et plutôt partager pour nous dire que qui ça nous pensait, qui ça m'a pas dit et qui ça nous remarqué. C'était Claytech Pro électro technicien. Alors si nous dans cabaret, nous dans zone environ, nous ca contacter Josmitech pour toute installation solaire et plutôt calcul. C'est Claytech Pro électro technique.